Aujourd'hui, a été mis en place un fauteuil dynamique. C'est un fauteuil qui vit au rythme du film. Et en fonction de l'action du film, des scènes du film, le fauteuil va bouger. Ce sont des fauteuils qui sont implantés en Amérique du Nord, en Europe, à Vienne, en Autriche et en Allemagne. Et donc, nous avons décidé de faire un test en France. Et ce test est donc réalisé au Pathé Lingostière. Par rapport au prix que l'on paye habituellement, il y a une majoration de 6 euros. C'est un fauteuil très bien et que je pense que je reviendrai pour des prochains films. C'était sympa, mais je pense que c'était pas le bon film pour un premier essai. Je pense qu'avec Spider-Man, ça sera mieux. Mais sinon, c'était sympa, ouais. Mais c'est vrai que tout le long du film, ça sert à pas rien. Moi, je pense que ça vaut plutôt les 3 euros. C'est trop cher. C'est cher, ouais. Pour 6 euros, non.